Bonjour mes enfants, comment ça va? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Écoutez-moi bien, aujourd'hui on va travailler à propos des syllabes. Et pour cela, vous aurez besoin d'une feuille. Une feuille qu'on va plier par la moitié, encore par la moitié, encore par la moitié, encore par la moitié. Et quand vous ouvrirez, vous aurez des espaces. Très bien. Nous avons travaillé différents albums. Oui ou non? Et aussi le lexique de Pâques. Dans ces albums, il y avait des animaux. Et ces animaux s'appellent d'une façon. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va chercher seulement les animaux avec deux syllabes. Ça veut dire que quand on les nomme, on peut frapper deux fois dans la main, on peut claquer deux fois dans les doigts. Deux syllabes. S'ils ont deux syllabes, on va les dessiner dans un petit carré. S'ils n'ont pas deux syllabes, on les laisse de côté. Compris? Alors, je commence avec l'histoire de pousser le poussin. 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 Deux syllabes. Donc, je peux le dessiner. Je dessine donc un poussin. Je continue. Poule. Poule. Non, je ne la dessine pas. Seulement une, je ne peux pas le dessiner. Canne. 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 Une seule syllabe, ça ne nous sert pas. Canard. 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 Celui-là, oui. Alors, je dessine un canard. Voilà que je dessine un canard. Ouah. Ouah. Un. Dindon. Dindon. Oui. Je dessine donc le dindon. Renard. Renard. Oui, aussi je peux dessiner renard. Vous, évidemment, vous dessinez beaucoup mieux que moi, n'est-ce pas? Je continue avec le lexique de lapin. 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 Oui, lapin a deux syllabes. Très bien, je peux donc dessiner un lapin. La, lapereau, lapereau. Je continue avec les animaux du lutin Pâques. À vous de les trouver. OK? Alors, je suis revenue. J'ai déjà fait mon travail. Je suppose que vous aussi. Des deux histoires que nous avons travaillées et plus le lexique de Pâques, quels sont les animaux qui ont deux syllabes? Moi, oiseau, dindon, renard, canard,
serpent. Lapine. Fourmi. Poisson. Lapin. Poussin. Vous les avez trouvées toutes, vous aussi? Oui ou non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous les avez trouvées? J'espère que oui. Maintenant, je vais vous proposer un autre jeu.